Tableau blanc. Alors, le but des exercices, hein, c'est que on a vu des notions un peu abstraites, que vous les digérez un peu. Vous ayez une maîtrise minimum de ce qu'on raconte. C'est quand même assez frustrant pour le prof de déblatérer les trucs en cours. Qu'après, quand on pose des questions simples, on se rend compte que rien n'a été compris. C'est sans doute en grande partie de ma faute. Alors, on commence par des choses simples. Décidabilité du problème du mot. Alors, il y a la réponse positive et la réponse négative. C'est comme pour l'algébricité d'un langage, hein, la décidabilité, ça peut être vrai ou faux. Si la décidabilité est vraie, qu'est-ce qu'il faut faire pour démontrer qu'elle est vraie? Donc, le problème du mot. On appelle ça. Alors, vous avez remarqué, hein, on aime bien donner des noms au problème lui-même. Le problème du vide, le problème du plein. Le problème du mot, c'est soit j'ai une grammaire sur l'ensemble de nos terminaux, d'accord? Un mot appartient à construit avec cet alphabet. Est-ce que M appartient à le langage de la grammaire? Souvent, les problèmes sont très simples. D'accord, c'est ça qui le rend attractif aussi, c'est leur simplicité. Savoir si un mot est dans le langage n'est pas la grammaire. Ce problème est-il décidable? Alors, si c'est décidable, si c'est indécidable, c'est difficile à répondre. Parce qu'il faut leur simuler une machine de Turing. Si c'est décidable, par contre, c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'il faut exhiber pour répondre oui? Je vous laisse participer un peu. Si on veut montrer que c'est décidable, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est notre bonne idée de participer là chez vous. Il faut montrer que ça s'arrête. Il faut décider. Pour décider, il faut décider, ça veut dire répondre oui ou non. Pour répondre. Mais répondre oui ou non d'une façon automatique, c'est-à-dire avec. Sans réfléchir. Avec. La machine de Turing. Avec une machine de Turing, mais une machine de Turing, c'est difficile à programmer. Avec un algorithme. D'accord, c'est pareil. On a montré encore, en fait, que tout ce qui se fait avec un algorithme, avec Pascal et ce que je sais, on peut faire avec MT. Donc, on est libéré des MT. On a juste besoin d'exhiber un algorithme. D'accord? Oui, il faut exhiber. Le mot exhiber est un mot mathématique. D'accord? Un algorithme qui décide. Décider, ça veut dire construire un algorithme qui décide. Décider, ça veut dire résoudre par algo, en fait. Comment est-ce qu'on décide un mot dans le langage? Exhiber, ça veut dire en gros décrire, écrire. Construire, ouais. Décrire, construire. Mettre devant, mettre en avant, c'est ouais, les mathématiciens utilisent ce mot-là. C'est un peu pédant, peut-être. Construire. Proposer. On exige plus un contre-exemple. Proposer un algo qui décide. Alors, c'est quoi l'algo qui décide? Vous l'avez vu l'an dernier. On en a déjà parlé, je crois. Alors, je vous interroge dans l'ordre. Mathieu Bénard. Mathieu Bénard. Donc, il y avait un super micro, c'est mieux de vous l'an dernier, la semaine dernière. Mathieu Bénard, prenez le micro. Je vous interview, vous l'interpellez aussi, il n'y a que Hamza qui parle. Vous êtes là, Mathieu? On
Ouais, il a son micro. Ah. Vous avez parlé tout à l'heure, mais je ne vous ai pas entendu, Mathieu. J'ai Allô? mis votre micro. Ah, c'est bon, je vous entends. Je vous entends. Ok. Bah honnêtement, je vois pas trop l'algo qui pourrait nous aider qu'on a fait l'année dernière en pile. Oui, tranquille, tranquille, on y va tranquille. Déjà, en oubliant l'an dernier, avec ce Ouais. qu'on a vu cette année, avec le langage algébrique, tout ça, qu'est-ce que vous proposeriez, par exemple, pour répondre à cette question? Un automate à pile? Voilà, un automate à pile, ça marcherait dans quel cas? Dans le cas où c'est décidable, c'est si on arrive à créer un automate à pile, on aurait Oui, on arrive quand est-ce qu'on arrive à écrire un automate à pile? Lorsque la grammaire est. Lorsque la grammaire est algébrique. LR1. Ah, R1, oui. Hein, vous avez les grammaires hors contexte. Ça, c'est une grammaire hors contexte. Dedans, vous avez un sous-ensemble, c'est des grammaires LL1. LR1, excusez-moi. Des Oui. grammaires LR1. Elles sont sous l'ensemble, toutes elles ne sont pas à l'air. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de grammaires qui ne sont pas à l'air? Exemples simples. Non, je vois pas. Trivial. Un exemple trivial de grammaire pas à l'air. Non, mais pas une grammaire spécifique, mais une catégorie de grammaire qui ne sera jamais à l'air. Une grammaire qui marche très bien, c'est lesquelles? Les LL1. Les LL1 sont intérieures, elles sont intérieures, les LL1. Elles sont, si les LL1, LL1. Les LR0. Les LR0, elles entourent les LR1. LR0, c'est plus général, d'accord. Non, c'est une connerie. C'est strictement intérieur. C'est aussi strictement intérieur, LR0. Non, mais il y a des grammaires mal foutues. C'est quoi les grammaires mal foutues? ANBN, CN. Une grammaire mal foutue qu'on a du mal à. Qu'on sait qu'on ne saura jamais gérer avec une automate à pile dans ce jeu. Parce qu'il y a du non-déterministe dedans, hein, qui est larvé. Les La grammaires grammaire est pas ambiguës. non. Comment? Les grammaires ambiguës. Voilà, c'est ça. Ah oui. Ouais. Ah Déjà, bah tous les grammaires oui. ambiguës, Je crois. elles sont. Ben, elles sont disjointes, car il n'y a aucune grammaire ambiguë qui est là. Ambiguë, il faudrait la prononcer comme ça. C'est l'ambigu. D'accord. Il n'y a qu'une ambiguë qui est LR1. Il n'y a qu'une LR1 qui est ambiguë. C'est disjoint, en fait. Donc, si votre grammaire est ambiguë, vous n'allez pas pouvoir appliquer l'analyse ascendante qu'on a fait pour décider si votre mot est dans le langage. Qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous perdu à jamais de désespoir et de chagrin? Non, vous avez une solution. Vous avez vu en pile, en dernier, on y a passé quand même un cours et un TD. Bah en pile, on avait vu un algorithme pour désambiguiser. Non, ça n'existe pas. On va montrer que ça n'existe pas dans ce TD. Pas pour les ambiguïser. Un Pour mince. faire. Pour décider de ce. On nettoie? J'essaie de rappeler l'an dernier ce qu'on a fait. On a considéré une façon de construire l'art de dérivation aussi, de répondre à cette question. Avec l'algorithme CYK. Ah, c'est ça, c'est ça. Oh oui. C'est l'algo CYK. Alors, pour Avec appliquer les premiers l'algo, tout suivants, d'abord. etc. Non? Comment? Ah non, je crois que c'est autre L'algorithme chose, avec le les premier. premiers suivants, etc. Non? Non. Ah Non, c'est non, autre donc je chose, me le premier trompe. suivant. L'algo, on fait une grosse matrice, autant de colonnes et de lignes qu'il y a de lettres dans le mot. Parce que Ouais, normalement. on Ah oui, fait c'est une bon. forme de pyramide, un peu comme le triangle de Pascal. Oui, on met sur la diagonale, après on remonte de diagonale à diagonale jusque là, après on construit l'arbre, Ouais, c'est un ça. bordel, c'est en haut de n au cube aussi, où n c'est égal à la taille du mot, d'accord. C'est ça qu'on n'utilise pas pour la compilation parce que, vous voyez,
avec des programmes de 10 000 des arbres de dérivation de 10 000 lettres. Ça passe après 1 000 milliards de. Oui, beaucoup, beaucoup, quoi. Mais ce qui est marrant avec cet algo, c'est qu'il ne fait aucune hypothèse sur la grammaire. Ça a marché que sur la grammaire. Pourquoi? Parce que n'importe quelle grammaire est peut-être mise sous forme de Chomsky. D'accord? Ça utilise la forme de Chomsky aussi. C'est pour ça que c'est bien de la faire. Ça utilise, sans le dire, on ne parle pas trop de la forme de Chomsky, ça utilise la forme normale de Chomsky. D'accord? Donc, il faut nettoyer G. Faut nettoyer G. D'accord. Chomsky G, c'est-à-dire avoir des règles de la forme X flèche Y, Z ou X flèche A, d'accord. Deux sortes de règles. Je suis avec deux noms terminaux en nombre droit. On nettoie, on Chomsky et on construit la matrice et on va arriver à répondre à ce problème. Donc, ce problème est décidable. C'est surprenant. Enfin, c'est surprenant. Oui, c'est surprenant. Je pense que la raison pour laquelle je dis que c'est surprenant, c'est que ça vous surprend. Je suis surpris pour de vrai, d'accord. Parce que, après avoir vu toutes ces choses compliquées sur Matapil, tout ça, dans les cas spéciaux de grammaire, tout ça, vous dites, ah ben pour une grammaire quelconque, ça ne va pas être vrai, parce que déjà qu'il faut se faire chier à 10 ans, à enlever les conflits sur les grammaires LR1, tout ça. Alors, une grammaire quelconque, ça ne va pas le faire. Ben si, ça le fait. D'accord. C'est décidable. Il y a donc des problèmes qui sont décidables. Il y a une apparence sont compliquées, mais quand même, sont décidables. C'est une vraie question qu'on peut se poser quand on a un problème. Est-ce qu'il est décidable ou pas? Bon, non. Je ne peux pas vous rappeler le gros CYK, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Après, j'ai rajouté quelques exos de décidabilité et de semi-décidabilité. Alors, on considère une machine, le problème c'est le suivant, d'accord, soit M, puis MT, on considère une machine, de Turing, quelconque, d'accord, et on considère le langage L qui est égal à l'ensemble des mots M, tel que M s'arrête sur M. Sur l'entrée M. On va monter sur le sigma t, d'accord. M, je vais prendre dans sigma t étoile, bien sûr. On considère les entrées possibles, telles que M s'arrête sur l'entrée M. Et se pose la question, est-ce que L est semi-décidable? Ah, je pose la question, est-ce qu'il est décidable? Ouais, je vais poser aussi. Alors, en si haut, c'est à vous peut-être. Je suis en si haut. Ah, il n'y a pas de micro. Là. Ah si. Ah, si. Très bien, je vous entends. Alors, L est-il semi-décidable? Je vous rappelle ce que ça veut dire, semi-décidable? Si je m'en rappelle bien, ça veut dire qu'il y a une machine de Turing qui le reconnaît. Oui, il existe une machine qui... Il existe une machine qui reconnaît ce langage. Et quelle est-elle? Une machine quelconque, une machine M, non? Ouais, M, c'est une machine quelconque. Et qu'il existe une machine qui va reconnaître... Il va résoudre ce problème. Une autre machine, quoi. Une machine M0, enfin une machine M1. Est-ce qu'il existe une machine qui reconnaît l'ensemble des mots M sur lesquels grand M s'arrête? Elle n'est pas très difficile à répondre. Donc il y avait la machine ALT que vous avez fait en cours, non? Oui, mais celle-là montre que qu'elle n'existe pas. Cet exercice, l'objectif de cet exercice, c'est de vous faire recracher
que je vous ai bourré, je vous ai un peu gavé comme des oies en cours avec des plein de trucs. Là. Vous allez me le ressortir. Vous allez le traiter dans vos neurones, vous allez me le ressortir. Ça va garantir que vous l'avez digéré. D'accord. Il y a deux questions qu'on peut se poser. Voilà. Bon, la première question, est-ce que elle est semi-décidable? Alors, je vous rappelle ce que ça veut dire, M. Rancio. Ça veut dire, est-ce qu'il existe une machine qui s'arrête sur l'ensemble des mots de elle, mais qui possiblement ne s'arrête pas sur le complémentaire? Les mots sont pas dans elle. Alors, la machine M, les mots sur lesquels elle s'arrête, est-ce que c'est le langage qu'elle reconnaît? Attends, j'ai pas compris. Vous pouvez répéter? Les mots sur lesquels la machine M s'arrête. Oui. Est-ce que c'est le langage reconnu par M? Oui. Bah... Non. Parce qu'il faut en plus que l'état sur lequel on s'arrête soit. Final. Alors là, c'est pas ce qu'on dit. On dit que ça s'arrête juste. On dit que ça bloque. Donc, on ne dit pas que l'état sur lequel ça bloque, c'est final. D'accord? C'est clair ce que je veux dire? Bon, voyons. Ben, elle, c'est pas elle de M. D'accord? Elle, c'est pas elle, c'est différent de elle. Elle de M, c'est... M appartient à sigma T étoile. M s'arrête sur M. D'accord? Dans un état final. Pour ajouter ça, d'accord? Il n'y a pas ça. Donc, ça, c'est L de M. Donc, ça, j'appelle ça L1, on va dire. Donc, L1, c'est différent de L de M. Parce que L de M, pour que l'état sur lequel on arrive, c'est l'état final. Alors. Et si petit m était et final, c'est-à-dire que L1 est égal à L2M. Donc on ne peut pas savoir là. M s'arrête sur M. Attends, quand je dis que ça reste sur M, sur l'entrée M. Hein. Si c'est par exemple, M, l'entrée M, il s'arrête dans un état final. Alors. Vous pouvez tourner une machine M, grand M sur un mot petit m. Elle s'arrête. Elle peut s'arrêter sur l'état final. La vertu du langage reconnu ou sur l'état non final. C'est la vertu du langage reconnu, mais on va pouvoir dire, au moins pour ces mots-là, qu'ils ne sont pas dans le langage reconnu. On va pouvoir répondre non, d'accord? Cet exercice-là, il n'est pas très difficile. Hein. Vous pouvez le faire. Hein. C'est juste d'intégrer le vocabulaire. C'est prise en main du vocabulaire, c'est tout. J'espère que vous allez le réaliser. Monsieur Rancio, vous êtes là toujours? Oui, je suis là. Ouais. Vous avez compris que L1 est différent de L2M? L1, oui. C'est la machine s'arrête. L2M, c'est la machine s'arrête. Ouais, sur un état sur final. Sur un état final, c'est pas pareil. Ça peut s'arrêter sur n'importe quel état, a priori. Ouais. Vous avez compris que c'est pas pareil? Ouais, oui, j'ai compris. Ah, c'est pas très difficile à comprendre. Enfin, il n'y a rien à comprendre, en fait, quelque part. C'est-à-dire que c'est le fait qu'il n'y a rien à comprendre qui vous bloque aussi, je pense. Hein. Vous cherchez un truc difficile alors qu'il n'y en a pas. Alors, est-ce que ce langage-là sur lequel la machine s'arrête, est-ce qu'il existe une machine qui le reconnaît? Est-ce qu'il est semi-décidable? Est-ce qu'il existe une machine qui le reconnaît? Oui, il en existe une, c'est laquelle? On peut la construire à partir de M. Qu'est-ce qu'il suffit de dire? Qui s'arrête sur l'entrée M. Et que M est final. Il faut rendre certains états finaux qui n'étaient pas. Oui. Quels états faut rendre finaux? L'entrée M. Ne confondez pas les états et les entrées. L'entrée, c'est le mot.
L'entrée M, c'est ce qu'il y a sur le ruban au début quand on commence à faire marcher la machine. Et l'état? L'état, vous savez ce que c'est que l'état quand même. C'est l'état, c'est en transit d'un état à l'autre. Oui, sans arrêt, ok, d'accord. Parce que je dis sur l'entrée M, alors vous dites. C'était. Il fallait pas que ça boucle, non? Oui, pour ça, ça s'arrête, pas que ça boucle, il faut que ça bloque en vrai. Ça s'arrête quand ça bloque. Une manière bête de bloquer, c'est vous arrivez dans un état d'où il n'y a aucune flèche qui repart. Il y a un état où il n'y a pas de flèche qui repart, ben ça bloque. Ils sont souvent comme ça, les états finaux. Vous arrivez sur un état, c'est une impasse, quoi. D'accord, on arrive dessus, il n'y a aucune flèche qui repart. C'est souvent comme ça, dans les exos qu'on a fait, c'est souvent comme ça, les états finaux. Hein. Il y a un état. Mais ça, c'est les états finaux. Les états en finaux, on peut bloquer en cours de route. Alors, je reprends, monsieur Rancillot. Vous avez une machine M. Il y a les mots qui sont connus, ça s'arrête sur un état final. On considère ensemble des mots sur lesquels ça s'arrête. Parce qu'il y a des mots sur lesquels ça peut boucler. On a vu ça la semaine dernière. C'est ça que vous êtes très présent à l'esprit. Hein. Il y a un tas de raisons pour lesquelles une machine peut boucler. Hein. Par exemple, la machine la plus simple qu'on puisse imaginer qui boucle, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est... Je vais à droite sur A, je vais à gauche sur A. D'accord. Avec le mot A, A, ça boucle. Ça va aller à droite, et puis à gauche, et puis à droite. Monsieur Rancio, oui. Vous êtes là toujours? Oui. Est-ce que vous avez compris la question? On demande si ce langage est semi-décidable. Est-ce qu'il existe une machine qui reconnaît les mots sur lesquels une autre machine s'arrête? La réponse est oui. Quelle est cette machine? Je dirais... C'est la même machine, sauf que... Sauf que les états où... Où la machine s'arrête, c'est des états finaux. Voilà, il faut rendre certains états qui n'étaient pas finaux, finaux. Lesquels? Alors, oui. Les états où la machine s'arrête. Oui, on n'a qu'à les mettre tous finaux, ça, on s'en marre pas. Hein. Mais vous avez raison, c'est ceux-là qu'il faut considérer finaux, d'accord? On a qu'à mettre finaux. Les états. Où M s'arrête. D'accord. On n'a qu'à les mettre tous finaux. On les met tous finaux, on n'en a pas, d'accord. On n'a pas besoin de savoir ce qui s'arrête ou pas. Sinon, on pourrait déterminer lesquels états où ça va être et lesquels où ça s'arrête. On les met tous finaux, c'est marrant, d'accord. On met tous les états finaux. On n'a qu'à mettre résultat, on s'arrête, finaux. On n'a qu'à mettre finaux. Finaux, les états, on s'arrête. Elle est-il simulistable? Oui, on n'a qu'à mettre finaux, les états, on s'arrête. On les met tous finaux, ça ne marche pas. Alors, ça vous paraît un peu bizarre, une machine où tous les états sont finaux, mais enfin, ça n'est pas tant, parce que ce qui nous intéresse, c'est savoir si ça s'arrête ou pas. Alors, si tous les états sont finaux, dès l'instant où ça s'arrête, il sera connu. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Quand vous dites un état final, c'est le dièse? Non, c'est un état, ok. La stratégie de base pour dire si un mot reconnu ou pas, que ce soit automate appuyé, automate fini, c'est l'état dans lequel on arrive. Quand on bloque, est-il final? C'est drôle, mais ce truc-là qui est omniprésent depuis le début, on a tendance à l'oublier. Ok. D'autres questions? D'autres remarques? D'autres trucs?
Vous avez vu que la réponse à la question qu'on vient de faire, la question en CIO, est étonnamment simple. Et. Donc en gros, la réponse est on les met juste tous finaux. Ouais, OK. c'est pas en gros, c'est en particulier. C'est tout simple, la réponse est tout simple. Et pour arriver à faire cette réponse, tout ce qu'il faut que vous fassiez, c'est maîtriser le vocabulaire, c'est tout, en fait. Hein. Le vocabulaire qui est pas si simple que ça, il y a plein de trucs. Hein. Oui, on a quand même fini les stades où M s'arrête, on les met tous finaux. Et pour décidable, c'est comment? Parce que pour décidable. Voilà. Deuxième question, elle a un titre décidable. Voilà. Voilà. Avant, alors c'est Abadi qui va répondre à ce truc-là, monsieur Abadi. Avant, il y a plusieurs adjectifs pour décrire semi décidable. On peut dire aussi d'autres choses. Je trouvais que c'était vachement plus intelligent d'appeler ça semi décidable parce que c'est la moitié en fait. Hein. C'est à moitié décidable. Parce qu'on décide, on peut savoir si ça s'arrête, si c'est dans le langage, mais on ne peut pas savoir a priori si c'est pas dans le langage. Alors est-ce que Alain est décidable? Est-ce qu'on peut décider pour une machine quelconque? C'est un mot dans le langage ou pas? Monsieur Abadi. Vous êtes là? Pénico alors. Il est là, Pénico? Monsieur Pénico. Pénican, Pénican. Tant que vous êtes là, je. Encore intégrer votre entrevue. Monsieur Pénican? Monsieur l'abbé? Vous pensez quoi? Alors, Moi, j'aurais dit non. Oui, non, effectivement, non, pourquoi? Parce que s'il est décidable, on sait que ça appartient au langage, alors que si... non, semi-décidable, c'est-à-dire qu'il appartient au langage, alors que décidable, c'est-à-dire qu'il appartient pas au langage. Donc, on peut pas avoir et qu'il appartient et qu'il appartient pas, non. Pas clair, c'est une minute. Monsieur l'abbé, vous avez une autre réponse? Non, pas trop. Alors en fait, pour la décidabilité, il faudrait dire, faudrait mettre M dans le langage. Le problème, ça concerne M et M, en fait, quelque part. Parce que M, il est arbitraire. La machine, on a construit une machine arbitraire. D'accord. Est-ce que pour une machine arbitraire et un mot arbitraire, est-ce qu'on peut savoir si le mot est dans le langage de M ou pas? Si on pouvait le savoir, ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut répondre oui ou non. Mais si on peut répondre oui ou non, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que est-ce que c'est décidable? Oui, c'est décidable, mais si on peut décider pour une machine quelconque et un mot quelconque, s'il est dans le langage de la machine. Ça veut dire qu'il existe une machine de Turing M qui le reconnaît? Oui, Non. qui reconnaît ces couples-là. Ouais. Mais vous voyez pas une contradiction avec le problème de l'arrêt. Vous savez, de la même façon qu'on revient toujours à NBN, quand on fait du rationnel ou à NBNCN quand on fait de l'algébrique, on revient toujours à l'arrêt quand on fait du décidable. Ça contredirait l'arrêt, ça. Pourquoi ça contredirait l'arrêt? Je vous pouvais répéter, je n'ai pas très bien compris.
On sait, on a démontré en cours, une démonstration un peu difficile à digérer, que le problème de l'arrêt est indécidable. Si oui. M et M, on ne sait pas si M s'arrête sur M. Ah, bah, vu qu'on peut s'arrêter, bah, c'est pas décidable. On peut pas décider si M s'arrête sur M. D'accord. Mais si on pouvait décider pour une machine quelconque, si un mot est ou n'est pas dans le langage, ça veut dire que ça contredit l'arrêt. Pourquoi ça contredit l'arrêt? Ben parce qu'on peut s'arrêter. Je suis pas sûr que la vitesse. Comment? Vu que je sais pas, je tente. Oui, c'est un peu ça. Il faut essayer de le phraser. Même moi, je suis un peu dans le pétrin, si vous voulez. Faut le phraser. Il faut phraser que ça contredit l'arrêt. Ça semble évident. Si vous ne pouvez pas prédire si la machine va s'arrêter ou pas, a priori, vous ne pouvez pas dire si elle bloque ou pas. Si elle arrive sur l'état final ou pas. D'accord. Déjà, vous ne pouvez pas dire si ça s'arrête ou pas. D'accord. Mais tout à l'heure, vous avez dit dans le cours, c'est un langage décidable, c'est-à-dire qui s'arrête toujours, enfin, qui bloque toujours. Ouais, qu'il existe une machine pour laquelle ça va toujours s'arrêter. Un langage décidable, si il est semi-décidable, il existe une machine qui s'arrête dans les cas positifs sur l'état final, mais également dans les cas négatifs. D'accord? Tout le monde est. Bon, je prends la main sur cet exercice. Si on pouvait décider de L1, alors on pourrait savoir les mots pour lesquels M ne s'arrête pas. Ça veut précisément dire détecter l'arrêt. D'accord? L1 n'est pas décidable par l'absurde. Parce que L1 n'est pas décidable parce qu'on peut détecter l'arrêt, alors que nous. Oui, s'il était décidable, on pourrait détecter l'arrêt d'une machine quelconque. D'accord? Comment est-ce qu'on ferait? Eh bien, on utiliserait la machine qui s'arrête tout le temps. D'accord? Et qui s'arrête sur l'état final si le mot dans L1 et pas sur l'état final si le mot pas dans L1. Mais elle s'arrête tout le temps. C'est ça. Avec cette machine, on pourrait détecter, on pourrait résoudre le problème de l'arrêt. D'accord? Bon, je vais écrire ça tranquillement. D'accord? C'est à la fois trivial et pas trivial. C'est trivial parce qu'on ne fait que rephraser ce qu'on a fait. On ne peut qu'utiliser alt. D'accord? Si L1 était décidable. Soit. M1, d'accord, qui s'arrête tout le temps. MT, qui s'arrête tout le temps. Tout le temps, et qui reconnaît. Voilà. Non. Ça tout le temps parce que là, du stade, ça veut dire qu'il existe une. C'est ce que ça veut dire qu'il y a du stade. D'accord. Et bien, M1, est égal à alt.
Alors, alt n'existe pas. Voilà, c'est ce qui concerne. Ah non, c'est alt en fait. Elle détecte si la machine s'arrête ou pas. Donc, si on a une machine qui est égale à alt, on sait qu'elle n'existe pas, donc elle n'est pas décidable. Donc c'est absurde. Elle n'est pas décidable. Pour une machine quelconque. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la machine M, elle fait partie du problème maintenant, d'accord? Fait partie du problème, d'accord? Y a eu un changement. La première question. Ouais, enfin, oui, mais dans la première question aussi, d'accord. L'entrée du problème, c'est M et M. Considérer une machine quelconque. C'est ce qu'on dit quand on dit on considère une machine quelconque. Soit, quand on dit soit, sous-entend que M fait partie du problème, d'accord. Parce que c'est une donnée du problème. C'est clair ce que je viens de dire hein, ou pas? Considère une machine quelconque, l'ensemble des mots M sur lesquels la machine s'arrête, d'accord? Ben, cet ensemble il est semi-décidable, mais le problème de l'arrêt dit précisément qu'il n'est pas décidable, d'accord? Pour une machine quelconque, on ne peut pas savoir a priori si elle va s'arrêter ou pas. J'ai que rephrasé le fait, cet exercice ne fait que rephraser plus précisément le résultat. Du cours alt, d'accord. Et aussi permet de bien voir la différence entre semi-décidable et décidable. On peut savoir si la machine s'arrête. C'est une chose de savoir si la machine s'arrête. C'en est une autre de savoir si elle ne s'arrête pas. Parce qu'on sait qu'elle s'arrête, qu'on saura qu'elle ne s'arrête pas. On sait qu'elle s'arrête, on ne sait pas si elle s'arrête pas. Parce que si elle ne s'arrête pas, elle peut boucler. Enfin, on sait qu'elle s'arrête. Oui, voilà. Donc, si on sait qu'elle s'arrête, c'est semi-décidable. Et si on ne sait pas si elle s'arrête, c'est décidable. Si on sait qu'elle s'arrête, on peut toujours savoir si elle s'arrête. Si elle s'arrête tout le temps, c'est décidable. Le langage est décidable. Faut une machine qui s'arrête tout le temps pour que ça soit décidable. Ok, et si elle Une s'arrête de machine temps en clean, temps? quelque part, une machine qui boucle, ce n'est pas une machine clean. On est d'accord, c'est une machine merdique, une machine qui boucle. Vous avez un problème qui boucle dans cette TP, c'est que vous êtes planté quelque part. Ah Pour oui. ça, hein. Mais semi-décidable, on sait que ça a enfin, au moins une fois. Un langage est semi-décidable s'il existe une machine qui s'arrête sur le mot de son langage dans un état final. Ok, d'accord. Alors, la question, l'exercice que je viens de vous poser est un exercice un peu comment dire, marrant, enfin, qui m'a juste, parce que il y a les mots sur lesquels la machine s'arrête dans un état final, et parmi les mots sur lesquels la machine s'arrête, il y a aussi ceux sur lequel elle s'arrête, mais sur un état qui n'est pas final. Là, elle répond non. Elle peut répondre. Elle répond non. Et les mots sur lesquels la machine s'arrête, c'est les mots sur lesquels la machine peut répondre. Faut distinguer pouvoir répondre, répondre oui, répondre non. D'accord? On peut répondre quand ça s'arrête. Si ça boucle pas, si ça boucle, on ne peut pas répondre. C'est ça qui est bizarre, quoi. Si ça boucle. Ça veut dire que le mot n'est pas dans le langage de connu. Mais on ne peut pas le savoir. A priori. Et comment on peut savoir si le langage est décidable? Ce que vous avez dit en cours, c'est si Alors, pour un mot un donné. langage va être décidable si on construit effectivement un algo pour décider, comme on a fait avec le problème du mot, ou le problème du vide. Pour montrer qu'un langage est décidable, c'est le cas positif, alors il faut construire un algorithme. Et là, on vient de le faire. On a montré que, enfin, pareil pour semi-décidable, hein, on a montré un algorithme pour montrer qu'elle était semi-décidable. L'algo, c'est quoi? C'est mettre finaux tous les états où M s'arrête. C'est simple, hein, c'est ce qu'on a fait. Et ça, c'est un algorithme, quelque part.
On a pris la machine M, on a mis fini tous les états, puis voilà, c'est tout. C'est aussi comme ça, d'accord. Vous avez un autre exercice du même type pour. Oui, on va faire la toxo parce que. Oui, c'est exercice 2. C'est un exo du même type. Ouais. Écoutez, monsieur Hamza, ces exercices vous semblent compliqués, mais ils ne le sont pas, en fait. Bizarrement, ils ne sont pas trop. Ce qui est compliqué, ce n'est pas les exercices, c'est les concepts qu'on manipule. Alors, comme c'est des concepts un peu compliqués, bon, ben, vous pataugez un peu dans les exos, mais. Non, parce que faut être au taquet sur les définitions du cours. Il faut bien comprendre tout ce. Oui, oui, il faut les mémoriser. Oui, il faut les mémoriser, c'est ça. Il n'y a pas tant que ça. Hein. Alors, un langage. Alors, celui-là, il permet de bien comprendre le truc aussi, cet exercice-là. Un langage, elle, est décidable. Si seulement si. Elle et son semi-décidable. Ça met bien en lumière aussi le fait qu'on a dit semi-décidable, d'accord? Si un langage et son complémentaire sont semi-décidables, alors le langage est décidable. D'accord? Donc c'est. Lui et son complémentaire, c'est deux moitiés en fait. Ça justifie l'appellation semi-décidable. Ça veut dire qu'il faut voir sur ce langage et sur son complémentaire s'il s'arrête à un état final. Oui. Est-ce que tu peux reconnaître le langage et son complémentaire? Alors, il faut démontrer ça. Preuve. Alors, dans ce sens-là, sur L, un langage stable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Monsieur Julien n'a pas beaucoup parlé, vous voulez continuer à parler? Un langage qui s'arrête tout le temps? Une machine qui s'arrête. On va faire parler à Monsieur Labbé, allez-y, Monsieur Labbé. Oui. Ouais. Donc, elle est décidable, ça veut dire qu'il existe Je viens de le dire, monsieur Hamza. Il existe une machine qui s'arrête tout le temps. Qui reconnaît elle. Donc, ça implique qu'elle est subdécidable. Et donc, ça, c'est trivial, d'accord? Parce que elle reconnaît elle. Et pourquoi est-ce que sigma étoile t moins elle va être subdécidable? Parce qu'on a l'implication au-dessus. Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire une machine qui reconnaît. Donc, il faut construire une machine qui la reconnaît. Et ouais, si. Et comment est-ce qu'on la construit? Ben on inverse tous les initiaux et finaux, non? Ouais, c'est ça. Non, finaux et. Et finaux et non finaux. Ouais, c'est ça. C'est un peu passage complémentaire. On inverse finaux et non finaux. Bon, M. Labbé n'a pas encore réussi à parler. M. Labbé a pris la parole, mais c'est pas grave. Oui, M. Hamza, vous commencez à être un peu à l'aise, là. Je commence à comprendre, oui. Ouais. Bah, vous comprenez qu'il n'y a pas énormément de choses à comprendre, surtout ça, quoi. Oui, c'est ça. On inverse filo non filo, on obtient une machine qui reconnaît le complémentaire, et elle s'arrête tout le temps. On sait qu'elle s'arrête. Alors, dans l'autre sens. Alors, c'est un peu plus compliqué dans l'autre sens. Monsieur Julien, dans le sens, on a M1 soit M1 qui reconnaît L et M2 qui reconnaît sigma étoile. Ouais, on veut construire M3, M, construisons M. M qui reconnaît M1
qui s'arrête tout le temps. Pour être complet. À partir de Aman qui reconnaît elle. Alors, monsieur Julien, encore une fois, j'essaie de vous faire parler. Hein. Après, je vais passer à la suite. Hein. Monsieur Julien, un mot quelconque, soit il appartient à elle, soit il appartient au complémentaire. C'est soit l'un, soit l'autre, d'accord? Comment est-ce qu'on va exploiter le fait qu'on a une machine qui traite un cas et une machine qui traite l'autre cas? M1 et M2. Il faut les faire marcher. On sait qu'il y en a une qui s'arrête, il y en a une qui gère le cas L et l'autre qui gère l'autre cas complémentaire. Ça fait une partition, d'accord? On a une partition L, sigma étoile moins L. Donc un mot, il est soit dans l'un, soit dans l'autre. On a une machine qui gère un truc, l'autre machine qui gère l'autre truc. Comment est-ce qu'on gère tout le truc maintenant? Pour un mot quelconque, il faut gérer tout l'espace. Comment est-ce qu'on fait? Il faut mettre en scène ces deux machines. Comment est-ce qu'on va faire? Vous vous souvenez, monsieur Julien, quand on a fait le produit synchronisé d'automate d'affini pour calculer l'intersection, on avait un automate qui reconnaissait un langage, un autre qui reconnaissait un langage, on voulait reconnaître l'intersection. On a fait marcher les deux. En même temps. En même temps, voilà. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pareil. Voilà, on va marcher la main et en même temps. Est-ce que vous imaginez comment faire ça? Juste à imaginer. Hein. C'est nouveau, là, je m'ai fait ça, donc pour l'imaginer un peu. Quoi. L'idée, c'est que ça, on fait marcher M1, M2 en même temps. Mais est-ce que vous pouvez préciser un peu juste oralement pour voir, que, pour voir comment c'est possible, M1 et M2 en même temps. Comment est-ce qu'on fait marcher M1 et M2 en même temps? Imaginez le truc, juste un. Vous imaginez pas du tout en combinant, mais je sais pas. Bah, il faut qu'ils aient chacun leur petit jardin. Ils ont besoin d'une intimité, d'une autonomie, d'accord. On démarre avec le mot M. Et puis on a deux machines à faire marcher, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ben, on peut commencer par dupliquer le mot M, d'accord? Ça, on sait faire, on l'a fait en TD, dupliquer un mot. Enfin, non, on ne l'a pas fait. Et puis après, donc on va faire marcher M1 dans cette zone-là, M2 dans cette zone-là, d'accord? Et on va les mettre ensemble, on va s'intéresser tantôt à M1, tantôt à M2, d'accord? On va faire des retours entre les deux. Alors, ils ont chacun. Ils seront séparés par une grosse zone d'espace, ou je ne sais pas, un truc dans ce style. Peut-être pas des espaces, mais une marque quelconque. D'accord. Pourquoi pas des espaces? D'accord. Donc, l'état de M1 il va être stocké aussi. D'accord. On va stocker l'état ici, c'est l'état courant. Et puis l'état de M2 aussi, d'accord. Il va être stocké là. Donc, on va aller lire l'état où on est, se mettre dans l'état où on est, dans l'état, consulter, charger l'état. Ou alors, on fait un produit synchronisé des états, on peut faire ça aussi, on stocke l'état dans l'état, d'accord. Enfin bon, on alterne un coup de M1, un coup de M2, un coup de M1, un coup de M2, un coup de M1, un coup de M2, d'accord. Si jamais le ruban est trop rempli ici, on va faire tout dépasser vers la gauche, d'accord. C'est un peu comme faire tourner deux processus dans une machine Unix qui partage la même mémoire. Vous voyez comment ça peut ça s'organiser? Oui. Comme un thread. Ouais. C'est-à-dire que... Il faut avoir un peu d'imagination. Bon, mais c'est possible. Et quand est-ce qu'on va s'arrêter?
Donc on simule un main et un 2 en même temps. En même temps, et on s'arrête. Dès que l'une des deux atteint. La fin. Enfin... Atteint quoi? Le final. Un état final. On sait que ça va arriver fatalement puisque. Puisque il y a un des deux, puisque le mot âme, puisque les deux ensemble, attendez, je peux pas... les deux ensemble sont semés de sidab d'une part, le mot âme. Il appartient à l'un des deux. Donc, vous savez qu'il y a un des deux qui va s'arrêter. Voilà. Je répète. Non, d'accord, j'ai compris. Ouais. Est-ce qu'il y en a un autre qui veut que je répète? Bon, c'est des exercices simples, autant pas compliqués. On va encore une erreur. Ce qu'on va faire de compliqué, ça ne va pas être si compliqué que ça, pas que ça vous fasse peur non plus. Alors, un petit exo 2.3. On considère le problème de Syracuse. Je vous. Non, je l'écris. Tant que x différent de 1, faire. Si x mod 2 égale 0, alors x sur 2, si x est pair, on divise par 2, sinon x reçoit 3x plus 1. Ça, c'est suite de Syracuse. Il y a un autre nom aussi. Je pense que c'est le nom d'un bled. Ça a été inventé cette suite-là. Il y a bien longtemps, dans l'Antiquité. Alors, si on commence avec 7, la valeur d'après, c'est quoi? Alors, ça c'est facile. Kozlov. J'ai pas très compris monsieur votre Syracuse. C'est un programme qui calcule les. Ce qu'on vient d'écrire, une suite de valeurs en fait, de x. Donc si x vaut 7, à l'itération 1, la valeur suivante ça va être quoi? 7 c'est pair ou impair? Impair. Donc on fait 7 sur 2. 3x plus 1. Combien? Ah oui. Ouais, 22. Monsieur Kozlov, vous ne pouvez pas faire le calcul? Kozlov, vous êtes là? Bon, on voit. Allez. Je vais le faire bosser. Je fais participer tout le monde, c'est plus drôle, quoi. Bonjour. Ensuite. Alors, du coup, ensuite 22 c'est pair, du coup ça donne 11. Mm-hmm. Ensuite 11 c'est impair, du coup ça fait 34. Mm-hmm. Ensuite 34 c'est pair, donc ça fait 16.
Non. 17, 17. 17. Ensuite, 17, c'est un pair. Ça fait 17 fois 3, je sais pas combien ça fait. Va te porter, ça va te porter. Ça fait 52. Ouais. Ensuite, du coup, ça fait 26. Ensuite, ça fait 13. 40. Et puis là, c'est le moment où ça va atterrir. Du coup, ça fait 20, 10, 5. Ensuite, 16, Ouais, ça 8, 4, y en arrive sur un. 2, 1. Et après, ça boucle sur 4, 2, 1. Alors, il y a une conjecture qui dit, conjecture de Syracuse, conjecture, on arrive toujours sur un. Sur 4 de 1. Sur cette boucle-là maintenant. C'est pas démontré. Alors, pourquoi je vide cet exo? Ce programme, il s'arrête. Programme P. P s'arrête. P s'arrête toujours. Si seulement si. Si seulement si quoi, monsieur Pombra? Du coup, si on arrive sur 4 de moins, enfin, ou sur Par 1, rapport à la conjecture. le programme s'arrête si on arrive sur 4, Est-ce par que vous pouvez exemple. mettre en relation la conjecture avec le fait que le programme s'arrête toujours? Sur 4 d'heure. Oui. C'est quoi le rapport avec la conjecture? Ben, on arrive toujours sur K de 1, donc on s'arrête toujours sur K de 1. Donc la conjecture. Et Bah, voilà. le programme C'est vrai. s'arrête un C'est tour. vrai. C'est vrai, Oui. c'est ça. P s'arrête. Alors, je vais mettre ça plus précisément pour tout le temps, c'est pas clair. C'est pas très clair. P s'arrête. Pour tout X. Pour toute x, c'est seulement si la conjecture. Donc, si on avait alt, si alt existait, qu'est-ce qu'on pourrait déduire? Si alt existait, ça voudrait dire que, en fait, par rapport à la conjecture, Elle est si vraie. on a un programme alt qui permettait de décider à l'avance, de prédire à l'avance, Mais elle un est programme vraie. s'arrête pas pour X. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce programme? On pourrait le décortiquer, regarder. Qu'est-ce qu'il dit dans P? Bah on pourrait. Enfin, non. Du coup, on saurait comment résoudre la conjecture. C'est ça, c'est ça. Si elle existait, on pourrait résoudre la conjecture. On pourrait décider ces conjectures. Donc on pourrait résoudre. On pourrait infirmer. Affirmer ou infirmer. Donc ça montre qu'en fait, cet exemple-là, je l'ai pompé hein, dans les premières vidéos que j'ai regardées sur Internet. Il sert à prendre conscience que le problème de l'arrêt est super difficile en cas général. Il y a pas de, sur ce programme-là, il n'y a pas d'autre solution pour savoir si ça va s'arrêter ou pas que de l'exécuter. C'est un exécuteur qu'on saura, vous voyez, comme on l'a fait nous, là, avec M. Pongroy. Au début, il trouvait ça un peu débile, hein, je comprends. Hein. Mais c'est nécessaire de le faire parce qu'on est passé par
quinzaine de chiffres. Puis on s'est rendu compte qu'il y a... Je sais pas, a priori, il n'y a aucun moyen de savoir qu'on va y arriver ou pas au début, quoi. Ça paraît impossible à prédire, quoi. Effectivement. Voilà. Les choses deviennent indécidables. Les choses qui sont indécidables, ils ont un peu cette nature-là. C'est-à-dire que pour décider si ça s'arrête ou pas, il faut exécuter. Et puis on regarde si ça s'arrête ou pas. Il n'y a pas d'autre façon. Bon, on arrive sur des trucs un peu compliqués. Le système de poste. Alors, on est encore à une heure du bout. On va arriver à tout faire seul, même plus rapidement. Si on termine avant, on pourra faire un peu de Turing. Je pense qu'on pourra faire ça dans le monde. On arrive sur le système de poste. Je serais de ça en t'aider parce qu'on pense qu'il y a trop vite, d'accord? Il faut que ce soit vous qui prenez le temps de vous approprier ces systèmes. D'accord, c'est un peu... Donc, c'est quoi un problème de poste? Donnée. C'est quoi la donnée d'un problème de poste? C'est quoi une occurrence d'un problème de poste? Une occurrence d'un problème de poste, c'est de suite alpha 1, alpha n, bêta 1, bêta n, qui ont le même nombre de mots. C'est des mots. Hein. Donc, c'est des mots. Alors, je mets sigmaté plutôt qu'un A, parce que. De suite deux mots. D'accord, de N. Et ce qu'on cherche, c'est une suite d'indices. Donc, soit deux suites de mots. On cherche une suite d'indices. Donc, I0, I1, IK. Appartement N. Des nombres entiers. Hein. Non, ils sont compris entre, 0, 0 et, entre 1 et N. D'accord, ils sont dans l'intervalle 1N. Pourquoi ils sont dans l'intervalle 1 à n? Parce que c'est des numéros de termes, d'accord? Donc, il ne faut pas que ça soit en Cohen, il ne faut pas que ce soit négatif non plus, il faut que ça soit égal à 0, parce qu'il y a alpha 1, alpha n, d'accord? Tel que... alpha i1, alpha i2, point, alpha ik, soit égal à bêta i1, bêta i2, bêta i3. Que si on met des trucs bout à bout, ça devient égal. D'accord. Le problème de correspondance de poste. PCP. Problème de correspondance d'un type qui s'appelait poste. C'est pas à la poste qu'ils ont inventé ça. Correspondant, c'est comme correspondant de poste. Alors, on va considérer trois problèmes. Un simple, un compliqué. Pourquoi on considère ces, pour les deux problèmes simples, c'est pour, comment dire... Je suis familiarisé avec le problème. Alors, problème 1, problème de poste 1, PCP 1. PCP 1, on considère AABBBA. AABBBA. Et BAA, AABB. BAA. AABB. Pour les suites alpha et les suites. Alors, c'est une grosse problème, on cherche les indices, d'accord? Là, n égale 2, hein, 1, 2, 3, non, n égale 3. D'accord, ça c'est alpha 1, alpha 2, alpha 3, bêta 1, bêta 2, bêta 3. Mais alors, plutôt que de donner ça comme deux listes, comme c'est écrit ici, alpha et bêta, ben, on va, pour le résoudre, on va dessiner des trucs comme ça, c'est plus intuitif.
on relie A avec B à A. Non, parce qu'ils sont intimement AB avec AA. AB avec AA. D'accord. On lit alpha I et bêta I ensemble. BBA avec BB. Alors, la première brique, alpha I1, bêta I1. Il faut que les lettres se correspondent. D'accord. Ça ne peut pas être celle-là, puisque là, on a A et BA. La première lettre en dessous, c'est un B. Et la première lettre au-dessous, c'est un A. C'est A est différent de B, ça va marcher, d'accord? Là, on a bien A égale A, mais le deuxième, ça ne marche pas. A est différent de B. Donc, ça va être celle-là, la première. BBA, BB. D'accord? Donc, on va prendre I1 égale 1. I1 égale 2. Non, I1 égale 3. Le premier indice, c'est 3. Alors, on choisit le troisième. C'est BBA, BB. Oui, parce que le début est pareil. D'accord, on veut que ce soit égal à la fin. Donc le haut et le bas soient égal. Là, le début, c'est pareil. Après, ici, il faut que j'ai un truc qui commence par A. En dessous. Là, j'en ai qu'un, c'est celui-là. C'est le AA. D'accord. Donc je vais écrire AA ici. Le premier, je vous le fais, puis le deuxième, je vous laisserai le faire. D'accord. Il faut écrire AA ici. Donc ça c'est la première brique. D'accord. La deuxième brique. C'est AA. Et au-dessus, j'ai AB. Ah bah, coup de bol, hein, le A du AB il va correspondre avec le A du le deuxième A du AA. Donc c'est I2 égale 2. D'accord. Ça, c'est ma deuxième brique que j'ai posée là. D'accord. En dessous, il faut que ça commence par B. Alors j'ai BAA ou BB. Ben, si j'écris BAA, BAA. J'aurai un A au-dessus. Là, je commence à poser la question, comment ça peut terminer? Ça peut terminer par celui qui est en dessous. Mais B à A, j'ai juste un A. Alors, je sois entre celui-là. Celui-là. Si je mets BB, je mets BB en dessous. Bon, je suis avec BA. Hein. BA. A. Là, j'ai un A au-dessus. Là, après, je suis coincé. Ça n'a pas l'air de marcher. Ben après, si on va utiliser la deuxième, ça peut marcher, non? AB, 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 A. Oui. Bon, parce que je mets AB et AA. Ah ouais, ça marche. Je peux mettre tout le temps que je veux, celle-là, d'ailleurs. Ben, genre, je peux faire le... non, en fait, ça marche pas parce qu'il faut un B. Mais non, il y a un A et un B en dessous. Ah, non, oui, oui. Pas. Ça marche pas. Ah. Donc, je sais la troisième alors. BAA. Non, B, BB. BA. BB. Ah, après, j'ai BAA. Et A. Après, c'est bon. Ça, c'est 3 égale 3 égale 1. Voilà, j'ai 3, 2, 3, 1. Solution du problème. Et c'est fait là. OK. C'est bon pour tout le monde, non? Un peu plein.
En fait, on trouve une solution une fois qu'on a utilisé les trois cas, c'est ça? Les trois. On n'est pas obligé d'utiliser toutes les briques, hein. Il faut réussir. Là, il y a une brique que j'utilise deux fois, c'est la première. Non, la troisième, c'est bon. Celle-là, j'utilise deux fois. Les autres, j'utilise une fois. Et je pourrais utiliser. Il y a des briques que je pourrais ne pas utiliser. L'important, c'est que j'arrive à une suite d'entiers qui marche. La solution, c'est 3, 2, 3. Hein. C'est la solution du problème. La solution, c'est bien une suite d'entiers, compris entre 1 et 3. Je me dis dans quel ordre il faut que je choisisse les briques. Hein. Vous imaginez ces briques, c'est. Là, ici, n égale 3, donc ça veut dire que j'ai 3 bacs de briques. Puis je pique dans mes bacs, d'accord? Dans le bac 1, j'ai A, B, A, A. Dans le bac 2, j'ai A, B, A, A. Dans le bac 3, j'ai B, B, A, B, B, d'accord? Au début, je les pose. Et puis, il faut que j'arrive à faire un truc égal en haut et en bas. D'accord? Là, j'obtiens que alpha 3, alpha 2, alpha 3, alpha 1 égale à bêta 3, bêta 2, bêta 3, bêta 1. Donc, la solution, c'est 3, 2, 3, 1. Vous avez compris le problème de poste? En gros, il faut avoir la même lettre au-dessus et en dessous et pas Oui, de surplus, on avait quoi. une égalité en dessous. Ok. Il est très élégant. Il est très élégant parce que on pourrait même l'expliquer à un gamin de 5 ans, quelque part. Oui. C'est tellement simple. Enfin, c'est quand même assez simple. Si on imagine qu'on pourrait faire des mettre des couleurs à la place de A et B, on pourrait mettre des couleurs. On pourrait construire un truc, tu vois. Je sais pas. Enfin, je pense qu'on pourrait réussir à expliquer ça peut-être pas 5 ans, 10 ans. Et on pourrait jouer avec ces trucs-là et essayer de faire le résoudre. Il faudrait un système de bruit qui peut coulisser, parce qu'effectivement, là, le BBA, il a coulissé, là, le B, le BB. C'est pas celui, ça peut coulisser, quoi. Bon, vous voyez le topo. Voilà, le BBA, il s'est décalé vers la droite par rapport au BB. Donc, ouais. En truc physique, je suis pas sûr de comment est-ce qu'on pourrait faire ça, mais je pense qu'on pourrait, quoi. Ok, alors la prochaine occurrence du problème de poste, vous allez la résoudre vous-même. Donc, l'occurrence suivante, c'est cette occurrence. Le problème de poste numéro 2. C'est vous qui allez le résoudre. CP2. Alors, BB, c'est BBB. ABBA. C'est BC. Alors, on va demander. Alors, Koslov ou les. J'ai su tout. Non, mais c'est Baranda, je crois, maintenant. Baranda, vous êtes là. Alors, vous nous résolvez ça, on vous aide, on vous assiste. Première brique. La première brique, ça va être BBB. Ben voilà, parce que ça commence par pareil. Alors ensuite, on va chercher qui commence par un B. On a deux possibilités, trois possibilités même. On peut faire la deuxième. Et ensuite, la troisième. On aurait pu faire directement première et troisième, on aurait fini, non? Ah oui, en effet. On aurait pu faire plusieurs fois la deuxième. Ouais. On peut faire aussi 1, 2, 2, 2, 3. On se rend compte qu'on a 1, 2, 2 étoiles, 3. Ça convient. On peut faire un étoile aussi. Comment? On peut faire un étoile. Ben non, il y aura toujours plus de B en haut. Il y aura un gros trou de B qui va se créer, là, qu'on pourra plus gaucher après. Ok. On va être DB sans la rotule.
vous allez continuer sur la grosse, the big PCP3. PCP3, là, il devient compliqué. Alors, on va y rester un certain temps dessus. Pas trop longtemps, mais quand même, on a le temps, là, on a encore 45 minutes. Mon but du jeu, c'est que vous ne soyez pas dans le brouillard, comme vous l'avez été un peu pendant le cours. Alors, vous sentiez les choses quand même. Vous avez touché du doigt quand même. Donc là, on a. Vous avez lancé sous les yeux, je le recopie. Je le recopie, c'est pas très. Pour le PCP3, il y a un peu plus de matériel, d'accord. Mais cependant, ça reste raisonnable. Hein. Donc on a une brique particulière qui est celle-là. Et qui fait jouer. Vous me dites si vous l'avez déjà fait avec M. Ronzin, c'était pas la peine qu'on y passe des heures. Après, on a une brique qui permet de recopier des choses. Et puis après, on a les briques qui permettent de programmer une machine de Turing. Vous allez vous découvrir progressivement. D'accord. Alors, progressivement, en même temps qu'on fait la simule de. Enfin, en même temps qu'on essaie de résoudre le problème de PCP, en même temps, on va essayer de construire de façon relativement propre la machine de Turing qu'on est en train de simuler. Pour se convaincre que la construction marcherait pour n'importe quelle machine de Turing. L'idée, c'est que. Vous ayez l'expérience un peu magique de programmer dans un autre formalisme que les machines de Turing. De réaliser qu'on peut programmer avec de plein de façons différentes. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir des additions, des multiplications pour programmer. Enfin, on peut programmer avec plein de façons différentes. D'accord. On a montré tout à l'heure qu'il y a la vidéo qu'on pouvait programmer avec le jeu de la vie. Ben là, on va programmer avec Post. C'est un côté ludique, c'est un côté marrant. Puis il y a aussi un aspect prise de conscience du fait que le calcul le calcul universel, c'est quelque chose d'assez simple. C'est un truc qu'on a pris conscience. Alors après, j'ai encore quelques briques là. Bon, attendez, je vais essayer de tout les mettre sur une ligne. Je vais avoir besoin d'espace, alors je vais dire. Et ensuite, j'ai. Alors, je suis à 1QQ0, 10QDSF. DSF0DSF. C'est pour finir ça. DSF10DS. Voilà. Voilà mon système de poste. Alors, N égale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, j'ai 12 paires. Là, c'est plus compliqué. Alors, j'impose de plus qu'on commence par celui-ci. D'accord ?
on peut montrer qu'en fait, on a le droit de faire ça. On a le droit d'imposer la première brique. C'est-à-dire qu'on peut, construire un système de poste équivalent qui impose la première brique. Vous voulez continuer un peu, monsieur Maranda? Oui, pourquoi pas. Alors, tout le monde peut l'aider, hein, parce que c'est, comment dire, un peu... Par exemple, monsieur Saint-Légis, monsieur Sine, vous pouvez, si vous voulez, participer à l'élaboration de la machine de Turing, si vous la voyez au fur et à mesure. D'accord. Alors... Si vous comprenez ce que signifie c'est ce qu'on fait. Alors allez-y, monsieur Maranda. Donc on va mettre la cinquième. On met T0 ici. 0. Non, c'est 0P qu'il faut qu'on mette là. Ensuite. On va mettre la deuxième. On copie les 0. Encore la deuxième. Là, on va mettre la... La quatrième. Et on a un nouveau. Bon, un truc qui ressemble à ce qu'on était au départ. Un dièse. On commence en dièse et on finit à dièse. Monsieur Nicolas Sanégé, est-ce que oui. Allô. Vous visualiseriez ce qui se passe la correspondance avec une configuration de Turing. Le P se décale à droite à chaque fois. Le P se décale à droite. Enfin, par rapport au zéro. Le P, ça représenterait quoi? En gros, par exemple, sur le premier, on a 0, 0 à gauche de P. Enfin, en gros, entre les hashtags, entre les dièses. C'est dur à expliquer. On va attendre un peu encore. J'écris pour l'instant le P va à droite. Le P va à droite. Bon, continuez, monsieur. C'est une bonne remarque. C'est quoi dire pour l'instant. Monsieur Maranda. Alors, le 0, qu'est-ce qu'on en fait du 0 pour le match? On utilise quoi? On utilise. Le 0, le 2. Le 0 tout court. Ouais. Ensuite, on a un P et un O. P0. Bien. Ah oui, un 0. 0P. Et enfin, le 0 aussi, ça fait 0, 0. Hashtag, hashtag. Hop, on a refait un coup de balai. Bah là, on fait pareil. Encore un coup de balai, on constate que le P est arrivé tout à droite, comme disait M. Saint-Léger. Le P est à droite. Alors là, ça va. On n'a plus P0, qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc, on fait 0,0 au début. Et après, on a P hashtag, donc on remplace par Q hashtag. Un P hashtag en haut et Q hashtag en bas. Et donc là, on refait avec les zéros. Et le Q. On a 0Q
un P. Le Q va se grouper avec le 0 de gauche, là, en fait. Plutôt que de se grouper avec le 0 de droite, il va se grouper avec le 0 de gauche. Donc, dièse, dièse. Hop, encore un coup de balai. Donc là, on refait avec les zéros. Match un petit S. Le 1, on le remplace par le 1. Ah. Oui. Oui. Le P dièse, on fait Q dièse. P dièse, Q dièse. Alors là, on commence à réaliser que ça peut mettre du temps à résoudre un système de poste, hein, tout de même. Parce qu'on a embarqué pour une grande aventure. Hein. Ah oui, encore. Ah, c'est pas fini. Ça va être fini que quand les deux seront égaux. Ah oui, oui, mais c'est pas bientôt fini, là. Non, non. Là, on refait les zéros. Ouais. Ensuite, on a un Q en Q0. Zéro, zéro. OP. P0, OP. Ah, c'est Q0, là. Pardon. Alors, un Q, Q0. Alors, un Q. Un Q0. Alors, 0, 0. Ensuite, Q0. Avec Q0, 0 Q, c'est 0 Q en fait. Oui. C'est 0 Q qui devient un P. Okay. Ensuite, 0, 0. Et dièse, dièse. Dièse, dièse. Donc 0, 1, P0. 0, 1, P0. Donc 0, 0. Alors, monsieur Saint-Léger, vous avez des choses à nous dire ? D'après ce que je comprends, c'est que ça essaie de ramener le Q à la position initiale du P. Ouais, c'est en, ça. En gros, le Q, il essaie de décaler à gauche pour retrouver. En gros, à la fin, je pense qu'on aura hashtag Q00. À la toute fin ? J'imagine. Non, à la fin, là, on va avoir Q00, et après, on va changer Q en F, et après, on va essayer de finir avec F. Ouais, ok. Ouais, vous avez deviné. À la toute fin. On aura. Donc le Q change les 1 en 0. Et il arrive à tout point. Alors on aura donc, vous dites, dièse Q 0, 0, c'est ça? Ouais, ça serait l'étape intermédiaire, du coup. Et après, il y aura un truc avec un F à la fin. Ouais. C'est-à-dire que. À chaque fois, on augmente de 1. Ce qu'on va apparaître en haut, c'est l'incrémentation d'un nombre écrit en binaire. D'accord. Au début, on parle de 0, donc on pose juste un 1. À peine qu'on l'a posé, qu'on va le transformer en 0, repartir sur Q. Déplacer Q à gauche.
Et comme on arrive sur un 0, on pose le 1. Monsieur ? Oui ? L'avant-dernière étape avec le F majuscule, ça ne sert un peu à rien, vu qu'on ne peut jamais changer avec un F majuscule. Tu dis F minuscule, vous vous trompez. Ok. P vers droite, Q vers gauche. D'accord. En transformant le 1 en 0. En 0. Après, lorsqu'il voit un 0, en 0, pose un 1 et repart à droite. Et transforme en P. En P. Ça vous fait penser, ça vous fait penser à quelque chose, ça? Le P va à droite. Le Q va à gauche, transforme le 1 en 0. Lorsque le 1 en 0, pose un 1. Après, le P va à droite tout, en fait. Hein. Le P il va à droite. P0, 0, P. Oui, sur les 0. Il va droit sur les 0. Quand il y a un P, il y a que des 0, de toute façon. Sur les 0, mais il y a que des 0. Donc, lorsqu'il voit dièse, maintenant, lorsque Q voit dièse, au lieu de voir un 1, s'il voit un dièse, Q, c'est à la toute fin, il n'y a pas à voir un. Lorsqu'il voit un dièse, là, qu'est-ce qui se passe? Là, ça change, en fait. Hein. On va à hein, monsieur Maranda, on était rendu là. Vous êtes... Oui. Ouais, lorsqu'il voit un dièse, du coup, on n'a plus 0 Q, 1 P. On n'utilise plus celle-là. Au lieu de transformer le 0 en 1, on va utiliser dièse Q dièse F. On va apparaître le F là. D'accord. Donc, en fait, je suis allé trop loin. Là. Le dièse, je ne le mets pas. Je m'arrête là. Je vais bosser un peu ce système-là. Ouais. Je m'arrête là. Et là, je fais dièse Q dièse F. 0, 0, 0, 0. Et F, ça veut dire final, en fait. Ça veut dire qu'on est rentré sur l'état final. Donc, à partir de là, je vais faire dièse F0, dièse F. J'ai bouffé les trucs. 1 à 1, dièse F0, dièse F. D'accord? J'ai plus que 2, 0. Après, je refais dièse F0, dièse F. J'ai plus que 1, 0. Après, je fais dièse F0. Dièse F. D'accord. J'ai plus que dièse F. Après, je fais dièse F, dièse, dièse, dièse F, dièse, dièse. Et j'ai fini. D'accord. Grâce au fait que ces deux règles me permettent de réduire l'intervalle. J'ai des 1 ou j'ai des 0, voilà. En fait, j'ai des 0, donc celle-là, tout seul, ça suffirait. D'accord, mais j'ai essayé de faire un cas un peu plus général. Je vais mettre conclure. Donc, dès que j'ai un F qui débarque, pof, mon ruban peut se contracter et tout termine. Okay. Alors, monsieur Serdège, c'est à vous de rentrer sur la scène et d'interpréter ce qu'on a fait en termes de machine de Turing. Vous vous doutez un peu, hein, je pense. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien, bel et bien, en cherchant à résoudre ce PCP, on a bien finalement itéré une machine de Turing. Laquelle? Notre démarche, ça va être d'identifier quelle machine on a simulée, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, se convaincre qu'en fait, ce qu'on a fait pour cette machine-là, on pourrait le faire pour n'importe quelle machine. OK.
Et après, on a fait boucler la boucle. Après, on fera un peu de la philosophie pour comprendre ce qu'on a fait. Quelle est la machine? Quelles sont les étapes pour commencer? Bah, du coup, ça sera on incrémente tous les zéros de 1. Les états sont représentés par quelles lettres dans le PCP? Comment ça? Il y a, dans notre PCP, il y a 0, 1 dièse. Ça, ça sert à quoi les 0, 1 dièse? Ça sert à représenter des bits. Ouais. La partie du ruban de la machine où il n'y a pas de. Où il n'y a pas de. De bottom, d'accord, de non défini, d'accord. Il y a seulement une partie du ruban où il y a des zéros, d'accord. Et pour, on marque avec un dièse le début et la fin, d'accord. Ouais. Après, il y a du bottom, on s'en fout, on n'a pas besoin de le présenter, c'est non défini, d'accord. Alors, ça, c'est pour le 0, 1, dièse. Maintenant, le P, Q, F, c'est quoi à votre avis? C'est des marqueurs, du coup. Mais ils vont se traduire comment dans la machine Turing qui est simulée? Bah, ils viennent de la gauche et ils vont vers la droite. Non. Puis ils se perpétuent ou ils changent. Un coup, on a juste. Et puis on a toujours qu'un seul. On a toujours un seul P, un seul Q, un seul F. Et ouais. Puis ils bougent. Qu'est-ce bah, c'est des marqueurs qui se déplacent du coup. Oui. Juste... Et ils marquent quoi en fait dans la machine? Ils marquent un emplacement. Oui. Enfin, la genre lecture, entre. Je trouve la tête de lecture, il marque. Et puis, comme il y a une lettre, qu'est-ce qu'il indique? La lettre indique quoi? L'emplacement où le 0 doit être changé en 1. L'endroit où se trouve la lettre. Mais la lettre elle-même, pourquoi est-ce qu'on met un P, un Q ou un F? P, Q, F, ça correspond à quoi finalement? Ça connaît quelque chose. Enfin, je sais pas, c'est le décalage? Non, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez dans une machine de Turing? Vous avez des. Ah, des états. Des états. Voilà, super. Okay. F, P, Q, c'est quand même des états. Donc P, il va vers la droite sur le. Quand on est dans l'état P. Mais au début, on est dans l'état. Le but P, il se trouve ici. Qu'est-ce qu'on lit, en fait? Le but P, il se trouve, je vais le mettre en rouge. P, il se trouve entre le dièse et le 0, d'accord? Et qu'est-ce qu'on lit, le dièse ou le 0? On veut le 0. On lit le 0. Donc, P, il est à droite, d'accord? Il est à droite. P, il est à droite. Pourquoi il est à droite, à votre avis? Bah parce qu'il n'y a rien à lire à gauche. Enfin... S'il y a le dièse, quand même. Ben, il fait quoi? Qu'est-ce qu'on a dit qu'il faisait? Il se déplace vers la droite. Ouais, parce qu'il se déplace vers la droite. On lit vers où on se déplace, d'accord? Ok. C'est logique parce qu'on va remplacer par 0P, donc faut lire dans la direction où est-ce qu'on déplace, d'accord? Ça, c'est le truc un peu désarçonnant. Donc, P, est-ce que vous pouvez mettre la transition récurrente de P là? Tant qu'il y a. Tant qu'il y a un 0 à droite. Voilà. Il se pose un 0, il ne change pas le 0. Là. Et après, il arrive sur quoi? Il arrive sur Q. Non. Quand il bouge à droite, il va arriver sur. Sur une dièse. Voilà. Dièse, en fait, il est en fait il bottom. Il va passer à l'état Q au moment où il trouve une dièse. Oui, on va mettre bottom. Oui, il passe à l'état Q sur une dièse. Mais le dièse symbolise finalement bottom quelque part. Mm. Et quand il passe à l'état Q, après Q, il va se déplacer vers où, lui? Q, il va se déplacer vers la gauche en mettant des P. Ah, ok. Mm. Mais Q, il se déplace vers la gauche. Donc Q, il est à droite ou à gauche, en fait? Il est à gauche. Q, il est à gauche. Il est à gauche. Est-ce que... Alors, je pense que le mieux alors, on a gauche, droite. Et pour rester sur place, qu'est-ce qu'on pourrait appeler ça comment Milieu. Non. Enfin, M. M, ok, M.
On va dire qu'il ne bouge pas là, d'accord? Même si on n'a pas le droit de faire ça, mais je suis sûr qu'on peut toujours se ramener à ce cas-là, d'accord? Ok. Parce qu'en fait, Q, dans notre simulation, il reste entre le 0 et le dièse. On n'a pas envie de le déplacer tout de suite, d'accord? Par contre, il lit à gauche. Parce qu'il se déplace vers la gauche. Okay. Donc, il se déplace vers la gauche tant qu'il y a des. Des 0 ou des 1, attends. Et qu'est-ce qu'il fait là avec ce 1? Avec ce 1, bah, du coup, il se place à l'endroit. Mais il le remplace par 0. Oui, vers la Enfin, gauche, il il remplace décale par vers la 0. gauche, du coup, oui. Oui, il dégage de la gauche, il le remplace par 0. Et du coup, si c'est un 0, ça remplace le 0 par le 1, j'imagine. Oui, et. Bien. Et du coup, bah, Q, il est. Il On passe le est. 0 par un 1 et ça devient. Et Q devient P. Voilà. Une fois plus, il bouge pas. Donc, c'est une machine un peu. Pas tout à fait une machine conventionnelle, puisqu'il y a un déplacement neutre, ni gauche ni droite. Il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que. Ben, les. La tête de lecture ne se trouve pas sur une case, mais entre deux cases. D'accord. On se trouve entre deux cases, et puis on lit à droite ou à droite, d'accord? Donc c'est un peu différent, mais on peut se ramener à ce cas-là, d'accord? Ça demande un peu de manipé, quoi. J'arrive pas à comprendre c'est quoi M. C'est rester immobile. On bouge ni à gauche ni à droite. On reste sur Ok. place. Au milieu, c'est écrit ici, d'accord. Même comme milieu, d'accord, ni gauche, ni droite. Il nous reste à. Alors, donc cette machine. On est pas mal, on est pas mal. Hein. On avance au rythme, on avance. Hein. Je pense qu'on va arriver au bout de ce que je voulais faire. De toute façon. Donc, ça va trop vite, après, on va tout le monde. Donc, Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette machine? Peut-être m'arrêter toute la classe, ou alors M. Marlin peut répondre aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Qu'est-ce qu'elle fait cette machine quand on regarde de plus? Vous avez deviné ce qu'elle faisait là? Bah, du Part de coup, 0, 0. elle remplace tous les zéros par des 1. Non, elle additionne en fait, elle incrémente. Hein. Après, on passe à 0, 1, 0. On passe à 0, 1, 1. On passe à 1, 0, 0. Enfin, on incrémente de 1 jusqu'à avoir, du Voilà, coup, je vais avoir 0, 0, 0, 0. un des 1 partout. La machine incrémente de 1. Incrémente de 1. Jusqu'à 0, 0, 0. Qu'est-ce qui se passe là? 0, 0, et ben, on a un truc différent. Bah, du coup, ça passe sur l'état F. Ouais. Donc c'est Q qui détecte ça. Et c'est Q qui détecte ça quand il y a un dièse à gauche. Donc, s'il y a un dièse, ben, il reste là où il est, mais il passe sur l'état F. Et du coup, il devient F. Mis en vert, comme c'est une transition majeure. Et F, on dit F pour Final. final. Donc après, les règles de F, c'est les seules règles finalement qui ont trois symboles en haut, deux symboles en bas, qui vont permettre de réduire l'espace entre le haut et le bas et qui vont permettre de ben, résoudre le problème de poste. Ça veut dire que, en fait, pour résoudre poste, il faut appliquer arriver sur un final. Ça veut dire que le système de poste a une solution. Si et seulement si, on arrive sur un état d'arrêt. Enfin, on pourrait dire que F, ça code le fait qu'on est sur un état d'arrêt et qu'on bloque, pas sur l'état final. On pourrait encoder. Utiliser F pour encoder tous les états où ça bloque. C'est-à-dire que s'il y avait d'autres états où la machine bloquait, on aurait aussi les règles DSF0, DSF, DSF1, DSF. Pour tous les états où ça bloque, pas seulement l'état final. C'est clair? Là, j'ai écrit DSF0, DSF, DSF1, DSF pour F final, mais on pourrait l'écrire. Imaginez maintenant qu'on simule une machine quelconque, pas une machine juste avec deux, trois états.
machine avec 50 000 états. D'accord. Il va falloir faire le même boulot qu'on a fait là. Il va falloir présenter un système de poste foutu de telle façon que on aura une solution au système de poste, si seulement si on a une exécution de la machine qui quoi? Incrémente de 1, mais j'ai il s'arrête. Pas le... il s'arrête. Okay. Monsieur, en vrai, vous écrivez quoi? La machine incrémente de 1 jusqu'à quoi? Jusqu'à 0, 0. Okay. Jusqu'à 0, 0, 0. Jusqu'à 1, 1. Là, c'est ça. C'est quand ça vient, quand ça passe de 1 à 0, 0, 0, c'est là où ça, où le Q remonte jusqu'en haut, ça devient un dièse, quoi. Ça devient un F. Donc là, on n'a fait que le début, il faut continuer encore vachement longtemps, d'accord. Si on démarre avec, au lieu de démarrer 3, 0, si on démarre avec 5, 0, ça va faire un mot de 32 fois 5. 32 fois 7, ça va faire un mot de 300 lettres. Un gros mot. Alors, pour conclure. Monsieur, moi, je n'ai pas très mal réussi à comprendre l'automate. En gros, lors de la transition entre P et Q, ça veut dire qu'on est à dièse. Et quand. Ouais, donc, quand on a le torse, Q, donc quand on arrive à Q, on est sur dièse, c'est ça? De P vers Q? Oui, ouais. le dièse du début, ouais. le dièse de droite. Mais ça veut dire que la seule transition qu'on peut faire, c'est de Q vers F. Parce que non, la transition de Q vers F, c'est quand le dièse est à gauche. Que Q, qui lit son dièse à gauche? C'est P qui lit son dièse à droite. Que P, c'est P dièse, sans les Q, c'est dièse Q. C'est dièse Q, donc là, c'est P dièse. D'accord. Q lit son dièse à gauche, donc Q lit dièse quand il est tout à gauche du truc, du ruban, enfin de la zone de travail du ruban, et P il le lit quand il est tout à droite, pas pareil. Bah, en fait, bah, c'est les trois états. Par exemple, pour 1, j'ai 0, c'est-à-dire qu'on lit 1, on va à gauche et on remplace par 0. Oui. Exemple dans l'état Q. Oui, on propage la retenue. Q, l'état Q, l'état de propagation de retenue. Je l'ai clair. Donc, à chaque fois qu'il voit un 1, il continue à se déplacer à gauche et il transforme en 0. Et quand il arrive finalement à 0, là il pose un 1 et il dit bah, j'ai fini, j'ai ajouté 1, je reviens là, je passe sur P. P, il sert juste à la droite sur les 0. Mais le premier, dans 1G0, le 1, c'est ce qu'on lit ou ce qu'on remplace? C'est ce qu'on lit. Donc, on lit un 1, on va à gauche et on. On pose un 0. Moi, c'est toujours comme ça que je fais dans la notation de machine. Une transition sur machine Turing, c'est ce qu'on lit, le déplacement, ce qu'on écrit. C'est un triplé. Hein. Okay. Monsieur Hamza, il n'y a pas forcément besoin de comprendre dans tous les détails ces trucs-là. Je n'ai pas trop le temps, d'accord. Même je ne sais pas faire, pour être franc. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on arrive à simuler la machine de Turing qui ajoute 1. On arrive à simuler le passage dans un état d'arrêt. C'est quand on arrive sur 1, 1, 1. On passe le dernier 1, on passe le dernier 1 à 0. On arrive sur le dièse, d'accord, c'est cette transition-là, d'accord. Et que ce qu'il faut comprendre enfin, c'est quand on arrive sur un état d'arrêt, comme l'état F, ben on est capable de finir notre correspondance, parce qu'on a des règles spéciales qui vont virer les caractères sur cet état, d'accord. D'accord. En plus, il touche le dièse de gauche, donc on utilise ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, la philosophie importante qu'il faut comprendre, c'est que
deux choses, c'est que notre PCP3, simule une MT qui incrémente. D'accord, jusqu'à 1, 1, 1, puis 0, 0, 0. D'accord. Ça arrête. Après. D'accord. On a fait exprès de faire une machine avec pas beaucoup d'état, mais qui prend beaucoup de temps à s'arrêter. Pour illustrer le fait que le ruban est super long, d'accord. Et c'est le PCP3 qui simule ça. C'est ça qui est marrant. Vous voyez. Tant qu'on n'avait pas fait cette simulation, ça paraissait complètement et ça paraissait pas imaginable de penser que on pouvait simuler une machine de Turing par un problème de poste. D'un côté, vous avez un problème de poste, c'est les briques qu'on va être ensemble. D'un côté, vous avez une machine de Turing, on n'imagine pas qu'on peut simuler l'une par l'autre, d'accord. Mais là, par contre, après l'avoir fait, bah, vous imaginez au moins, vous imaginez que c'est possible. Vous avez vu, ici, il y a les états qui se déplacent, comme des têtes de lecture qui se déplacent. On marque le ruban, on fait pas mal de trucs, hein, mine de rien. Mais ça fonctionne, quoi. À la fin, il n'y a pas d'autre façon de faire. Si on veut chercher une solution au problème de poste, ben on est obligé de simuler Turing. Et ça, c'est le premier truc. Mais le deuxième truc qui est super marrant, c'est que le PCP3 a une solution. D'accord, si seulement si, la MT simulée s'arrête. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est là-dessus que je mets le gros éclairage, d'accord. C'est ça qui est important de bien, qui est assez extraordinaire, d'accord. Et on a fait ce boulot avec cette MT là, mais on peut le faire avec n'importe quelle machine de Turing, d'accord. On peut en considérer une qui fait n'importe quoi, on va réussir à la simuler. Et la machine qu'on simule va s'arrêter si c'est lancé. Le problème de poste ainsi construit a une solution. Ça démontre que PCP est indécidable. D'accord. Pourquoi? Et oui, c'est compliqué de démontrer l'indécidabilité. Hein. Pourquoi ça demande? Par l'absurde. D'accord. Alors, j'écris les étapes là, de façon un peu clean. D'accord. Par l'absurde. D'accord. Si PCP était décidable, si le problème de poste était décidable, alors, on pourrait aussi décider de l'arrêt. C'est absurde. Décider de l'arrêt. Comment? Merde, de l'arrêt. Mais comment? Eh bien, on veut savoir. Si M s'arrête sur M, on construit PCP de M et de M. On considère cette machine, cette entrée. D'accord. Là, on avait quoi? 0, 0 pour l'entrée, et puis ça comme machine. Là, on peut considérer n'importe quelle entrée, n'importe quelle machine, et traduire ça en un problème de poste. Donc, ça, c'est une étape importante qu'il faut piger. Hein. Ce qu'on fait, c'est qu'on associe un problème de poste pour une machine et une entrée. D'accord. On peut construire ce problème de poste. C'est une occurrence d'un problème de poste. D'accord. On résout, parce qu'on a supposé que c'était possible. On résout, c'est-à-dire on décide
si il y a une solution avec l'algo qu'on a parce qu'on a supposé qu'il était listable. En fait, nous montrons par l'option, on a supposé qu'il était listable, ça donne un algo. On résume, on décide s'il y a une solution, d'accord. Et ça, ça donne. Ça permet, donc, s'il y a une solution, si seulement si la machine s'arrête. Donc, si oui, on peut déduire que M s'arrête sur M. D'accord. Sinon, c'est-à-dire que M ne s'arrête pas. Donc, on obtient un algo qui permet de résoudre ALT. C'est absurde. Ça, c'est absurde. C'est ça qui est absurde. Donc, en fait, on sait que ça va s'arrêter, mais vu qu'on ne peut pas décider quand ça s'arrête, c'est pas décidable. C'est pas décidable parce que si c'est décidable, le problème de l'arrêt le serait aussi. C'est une démonstration par l'option. Ça ressemble pas mal à la démonstration qu'on faisait avec ANBM. Hein. On pourrait aussi décider de l'arrêt si PCP est décidable parce qu'on a une méthode pour étendre une machine de Turing quelconque. Une entrée quelconque, on construit une occurrence de PCP telle que le PCP, ce PCP a une solution si c'est seulement si la machine M s'arrête sur M. D'accord. Et la machine ALT, c'est une machine qui s'arrête tout le temps, quoi. C'est une machine qui n'existe pas. On l'a montré par la Oui, elle n'existe pas, mais c'est que quand vous la. Elle s'arrête tout le temps, là. On suppose qu'elle existe, qu'elle s'arrête tout le temps et on montre que ça mène à l'absurdité. Donc le problème de l'arrêt, c'est une machine qui s'arrête tout le temps, quoi. Donc si on. Le problème de l'arrêt, c'est est-ce qu'il existe une machine qui s'arrête tout le temps? Ok, d'accord. Détecte l'arrêt. Okay. Non, il n'existe pas. C'est notre ANBN de la décidabilité. C'est le problème célèbre, vraiment célèbre, celui-là pour le coup. Hein, qu'on sait qu'il n'est pas décidable. Auquel on se ramène. Des questions? Est-ce que vous voulez qu'on essaye de faire alors l'ambiguïté là? C'est assez sympa, mais ça va nous prendre encore un quart d'heure. Hein. C'est vous qui décidez. Moi, ça ne me dérange pas, mais. Écoutez, si c'est pour mieux comprendre, ça me dérange oui, pas. Oui, c'est surtout que ça permet de terminer. Tour de la lettre en beauté. Pas tant de mieux comprendre, mais de voir comment dire, voir que ça s'articule. Ça fait un peu une fusion sympa, je crois, pour tout ce qu'on a fait. Mais ça nous regarde un peu. Ceux qui veulent partir, ils partent. Il reste encore avec vous encore un quart d'heure pour faire le point 5. J'ai traîné un peu, enfin, j'ai pris mon temps pour faire le poste là. C'est quand même des choses qui ne sont pas évidentes. Hein. Il n'y a qu'en prenant un peu son temps qu'on arrive à sentir un peu ce qui se passe. D'accord. Alors, on considère donc 2.5. On considère un problème de poste UIVI. Un problème de poste. D'accord. Eh bien, on va construire une grammaire telle que la grammaire ambiguë, si seulement si le problème de poste a une solution. C'est ça l'idée, d'accord? Je vous donne d'emblée, je vous donne le principe, d'accord? J'ai une grammaire. Alors, attendez, c'est une grammaire qui dépend de UIVI, d'accord? Je pense que j'ai une grammaire. Voilà. On peut dire j'ai de UIVI, d'accord? Une grammaire. D'accord.
tel que G ambigu. Si seulement si. Puis VI. Pas une solution. Allez, on fait un deuxième étage. Un deuxième étage. Donc maintenant, en fait, au lieu de raisonner sur Alt, on raisonne sur PCP. Mais est-ce que je dis en cours? Avec PCP, on a un deuxième problème à des citables célèbres qui est plus sympa que Alt pour ce qui est des grammaires. Pourquoi? Parce que ben, on peut justement faire ce que je viens de décrire. On peut plus facilement représenter des problèmes de PCP en grammaire. Ça se traite mieux, d'accord? Donc, sans même construire la grammaire, j'aimerais que vous compreniez déjà tout de suite hein, que ça va démontrer que l'ambiguïté est indécidable. D'accord? Dans un premier temps. Pourquoi? Ben, toujours par ce même raisonnement par l'absurde. Parce que si on pouvait décider s'il existait un algorithme qui permet de dire oui, cette grammaire est ambiguë, non, cette grammaire n'est pas ambiguë, eh bien, on pourrait décider aussi que oui, ce problème de poste a une solution. Non, il n'a pas une solution. Vous voyez? Comment est-ce qu'on ferait? Ben, on prendrait le problème de poste UIV pour lequel on va savoir s'il y a une solution ou pas. On construisait la grammaire qui vérifie que cette grammaire est ambiguë si seulement si le problème qu'on considère est une solution ou pas. Et on appliquerait l'algorithme qui permet de savoir si la grammaire est ambiguë ou pas. Si l'algorithme qui dit que la grammaire est ambiguë répond oui, est ambiguë, ben on dit ah ben oui, le problème de poste a une solution. Si l'algorithme qui dit non, la grammaire n'est pas ambiguë, il répond non, la grammaire n'est pas ambiguë, ben on dit non, notre système de poste n'est pas solution. Donc le fait d'établir cette correspondance permet de démontrer par absurde que l'ambiguïté est indécidable. Parce que si l'ambiguïté est décidable, poste serait décidable aussi. D'accord? De même que si poste est décidable, l'arrêt serait décidable aussi. D'accord? En simulant un truc par un autre truc, on obtient une application de la décidabilité de l'arrêt ou de la décidabilité de poste qui permet de démontrer que ce n'est pas décidable. C'est un peu clair ce que je dis là? Vous voulez que je le répète encore ou ça va? Si vous pouvez le répéter une dernière fois. Ouais, je répète encore une fois. En fait, je vais peut-être. Donc ça suffit. Alors je le construis. Supposons que ambiguïté est décidable. Donc on va démontrer par l'absurde que c'est absurde. Ça c'est. Il existe un algo. Ça veut dire qu'il existe un algo qui répond oui, non, c'est ambigu. G est ambigu. Pour n'importe quelle grammaire. D'accord? Ben, avec cet algo, à partir de 1, on peut construire A2, on peut construire un algo A2 qui, pour un PCP arbitraire, répond oui, non, c'était une solution. D'accord. Comment est-ce qu'on fait? Ben, on prend le PCP. Prendre le PCP. UIVI. Construire un G de UVI appliqué à 1, l'algorithme A1, à
G. Oui, oui. Bon. Si A répond oui. Répond oui, on répond oui. Si A répond non, on répond non. Ça, c'est le groupe A2 qui décide si le PC n'est pas une solution. D'accord. Il n'existe pas de A2. Donc c'est optionnel. Donc le fait qu'on a réussi à construire une grammaire telle que l'ambiguïté de cette grammaire est équivalente au fait que PCP a une solution nous garantit que l'ambiguïté est indécidable. De la même façon que tout à l'heure, le fait qu'on a associé un PCP à une machine de Turing quelconque telle que le PCP a une solution, si seulement si la machine s'arrête, prouve qu'il est indécidable de savoir si un PCP a une solution. On se ramène d'un problème à un autre problème. Maintenant, il reste à construire la grammaire en question. D'accord. Et ça c'est pas très compliqué. En fait, c'est marrant, mais c'est pour ça que c'est marrant. C'est pas très compliqué. Donc, c'est dans 2.5 qu'on vous donne la grammaire. En fait, on construit une grammaire. La grammaire, on la construit comme ça. D'abord, au départ, son axiome, il a deux axiomes possibles. D'accord. Il part soit sur G1 ou sur G2, en fait. Donc, l'axiome S2, lui, qu'est-ce qu'il fait? Je n'ai pas trop le temps de la chercher, donc je vais carrément vous décrire la solution. Vous l'avez dans votre... l'axiome S2, alors ça surprend un peu ce qu'il fait, d'accord, il fait des trucs qui sont bizarres. Il fait dollar dièse S2. T. T, il fait DST ou U. Et U, il repart sur S2 avec de façon palindromique, en mettant des palindromes, d'accord. D'accord, il pose des palindromes, d'accord. Donc, on en déduit que ça, c'est la grammaire G. Donc, G2, donc S2, il génère des palindromes. Avec dollar au centre. Et ça finit par un dollar à la fin. Saupoudré de dièse. Saupoudré. C'est saupoudré de dièse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir un brave palindrome A, B, B, A, C. C, A, B, B, A. Enfin, ça se correspond. Bon, le dollar au milieu. Mais je vais avoir des dièses qui vont saupoudrer ce truc-là. D'accord? Je vais avoir un dièse là. Un dièse là. D'accord? J'ai des dièses un peu partout qui sont posés par le T. D'accord? Donc, par exemple, je peux avoir A, dièse, B, B, A, C, voilà. C, A, dièse, B, dièse, dièse. B, A. Au niveau des lettres, ça se retrouve. D'accord. Mais j'ai les dièses. J'ai un saupoudrage de dièses. OK. C'est un bricolage qui surprend. On n'a pas compris ça, c'est certain. Mais bon, ok. On met ça dans un coin de notre tête. On regarde la l'autre grammaire. Que fait-elle? La grammaire.
On fait la chose suivante. Alors, c'est une grammaire. Cette grammaire-là, en fait, la première grammaire, elle n'est pas associée à un système de pas suivi. Mais l'autre grammaire, si, elle est associée. Elle va faire S1, U1, dièse. S1, dièse, miroir de V1. Miroir de V1. Miroir. Ou le UI, et ça jusqu'à UN. Dièse, S1, dièse, miroir de V1. Alors là, on voit le même dièse qui apparaît. D'accord, ou U1, V1. D'accord, c'est le système de poste qu'on code. Hein. C'est le système de poste de départ. Le problème de poste du départ. D'accord. Donc, je ne sais pas, si je considère le problème de poste du début, là, hein, j'avais un petit problème sympa. Vous vous souvenez, hein, au début, qu'on a commencé à parler de poste, hein, on a le PCP1. Le PCP2 que vous avez fait vous-même, c'était celui-là. Hein. C'était BBB, ABBA, BBABB. BBABB. D'accord, ben, cette grammaire, ça va faire ça. Ça va faire BB dièse B pour celui-là. AB, dièse. Alors, le BA, il faut mettre à l'envers celui-là. D'accord. AB, il faut mettre à l'envers. Et puis, celui-là aussi, il faut mettre à l'envers. Et quand c'est BB, ça ne se voit pas. D'accord. BBA, dièse, BB. D'accord. Il n'y a que là que j'ai. Le fait de mettre à l'envers, ça s'est traduit par. En fait, voilà, c'est les trois règles associées à ce système de poste-là. D'accord. Alors, la grammaire G1, ça c'est la grammaire G1, d'accord, à la limite, ça c'est la grammaire G2. En fait, si vous regardez les trucs de plus près, je m'arrête. Là, G2, G1 n'est pas ambigu. G2 non plus. La grammaire avec les palindromes et les dièses, d'accord. G2, c'est ce qu'on a. On a vu tout à l'heure, c'est les palindromes avec des dièses, d'accord. Donc, la seule façon. Alors, G, c'est quoi? C'est G, c'est égal à langage de par G, c'est égal à langage de G1 union langage de G2. Oui, parce que on a S flèche S1 ou S2 au départ, d'accord. Donc, G est ambigu. Si c'est lancé, L de G1 inter L de G2 est non vide. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un mot qui peut à la fois s'exprimer comme un palindrome avec des dièses ou comme une suite U1. UI1 dièse UIK, voilà. Miroir de VIK. Alors, miroir, je note ça avec une barre. Miroir de VI1. Ça, c'est miroir, ça veut dire miroir, ça. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a un mot, il existe un mot qui s'exprime comme ça, mais qui s'exprime aussi comme un palindrome avec des dièses. Palindrome saupoudré de dièses. D'accord. Mais si le mot s'exprime sous, s'écrit sous ces deux formes-là, ben, ça veut dire que U1-UIK est égal à VI1, VI4. D'accord. Donc ça veut dire que le système a une solution. En fait, quand on regarde plus près.
parce que pour écrire ces deux mots sont égaux, ben, il faut que les lettres de ce mot-là sans les dièses forment un palindrome. Donc ça veut dire que UI1, UIK, VIK, miroir, VI1 est un palindrome. Avec le dollar au centre. Alors, comme il y a un dollar au centre, ça veut dire que UI1, UIK est égal au miroir de VIK, VI1. Ça, c'est égal à VI1 barbare, VIK barbare, c'est égal à VI1, VIK. Deux barres, ça s'annule. Miroir de miroir, c'est égal à. Donc, UI1 et UK est égal à VI1 avec. On a fini le truc. Voilà. Il faut laisser la tête reposer. Hein. Vous avez le corrigé en ligne aussi, des exos. Je vais m'arrêter là. Vous avez des questions quand même? Vous avez beaucoup de choses à digérer. Je pense pas que vous avez tout compris ce que j'ai raconté, mais vous avez compris un peu l'idée, je pense. Hein. Je ne sais pas si j'ai raison de faire ça, mais je trouve ça sympa de vous prendre pour les adultes et de vous enseigner des trucs un peu plus élaborés. Vous n'aurez pas des choses au niveau de difficulté en examen, mais vous aurez des exercices qui vont tester votre compréhension, une compréhension plus élémentaire de ce que ça veut dire d'être décidable, semi-décidable. Comme je fais d'habitude d'ailleurs. Comme là, j'ai pris le temps de faire les choses plus en détail, je pense que ça va marcher. Là, je vous souhaite un bon appétit. Et puis, ben, c'est fini, on ne se voit plus. On se revoit en soutien ce vendredi, 14h. C'est pas jeudi le soutien? Non, c'est vendredi. Attends, jeudi, vous avez vu autre chose. Si j'ai mis jeudi, je me suis trompé. J'ai envoyé un mail en disant que c'était jeudi? Je crois que dans le. Je suis un peu débile, des fois je. Non. Je crois que dans un peu du temps, c'était jeudi, mais je suis pas sûr. Ça a changé. Au départ, c'était mercredi. Et puis il y a Laurent Rosas qui a gueulé parce que mercredi, il avait besoin du mercredi pour finir son cours. Donc, j'ai d'abord voulu le déplacer à jeudi, mais parce que j'avais compris que c'était libre. Mais en fait, ensuite, Sandrine m'a dit que non, jeudi, ce n'était pas libre. Donc, je l'ai mis à vendredi 14h. Ah, ok. Ouais, là, c'est bon. Oui, je t'ai marqué. Oui. Ouais. Oui, c'est bon, c'était marqué. Oui. Ouais. Bah, vendredi 14h. Ok, ça marche. Et, lors de la soutenance, on fera le. L'examen de l'ANR, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Ouais. C'est pour ça que vous n'avez pas donné de corriger. Vous avez envie, pour... C'est pour ça que vous n'avez pas donné de corriger, c'était pour le faire? Oui. Oui, ça vous motive pour venir, pour le faire ensemble. C'est plus marrant, de toute façon, c'est plus marrant de faire un examen devoir ensemble. Oui, bah, je pourrais donner le corriger ensuite. Je n'ai pas le corrigé. La raison que je n'ai pas le corrigé, c'est que d'habitude, je donne le corrigé à la fin de l'examen, et l'an dernier, l'examen était en distanciel. Alors, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué, du coup, je n'ai pas distribué le corrigé après. Ouais. Ok. Bon, ben, bonne chance, et puis à vendredi. Hein. Merci beaucoup, à vendredi, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.